Bernard Billier et Michel Audiard ont des quantités de choses gentilles à se dire. Michel Audiard, vous êtes analphabète. Vous n'avez pas de connaissances particulières. Non. Vous n'avez pas un physique spécial. Je n'ai pas de cheveux, non. Vous n'avez pas de cheveux. Et vous avez quand même fait une carrière de dialoguiste. Oui, parce que j'ai rien de tout ce que vous dites, mais j'ai des lectures. J'ai tout piqué. Ah. Tout piqué. Il n'y a absolument rien de moi dans tout ce que j'écris depuis 45 ans. Vous volez systématiquement. Je vole. Maintenant, je loue. Autrefois, je volais les idées, je les revendais. Maintenant, je les loue. On les utilise le temps d'un film, on me les rend. C'est pour ça que tous mes films se ressemblent. Oui, c'est un point de vue. Et ça vous a donné de bons résultats. Pour tout le monde. Ça, nous parlons du dialoguiste en ce moment. Mais dans un autre ordre d'idées, j'ai constaté que vous n'avez aucune connaissance technique. Non. Que vous confondez un zoom et un travelling, que oui. Vous mélangez facilement les objectifs. Oui. Et malgré ça, vous avez fait une carrière de metteur en scène. Ah, c'est parce que je suis passé metteur en scène, parce que je me suis aperçu que les metteurs en scène étaient affichés plus gros que les auteurs, et partant, gagnaient plus de sous. Ah. Alors, j'aime pas le cinéma, mais j'aime les sous. C'est donc une opération purement commerciale. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir mes films. Oui. Et c'est pour ça qu'ils font de l'argent. Oui. Et accessoirement, voilà. Le résultat est là. Et vous avez le sentiment que ça va durer longtemps? Ben, vous savez, je crois que le cinéma est la seule forme de filouterie qui ne comporte pas de suite pénale. Alors? Tout est possible. Non. Eh bien, je vous remercie mille fois de ces déclarations pertinentes. Et je pense que les jeunes générations en tiendront compte et pourront, à l'avenir, penser avec votre hygiène morale à l'avenir du cinéma français. Et puis, ça prouve que quand l'intervieweur pose des questions intelligentes, on répond intelligemment. Michel Audiard est aussi bien attentionné que Bernard Blier. Bernard Blier n'a pas de physique. Non. Pas de voix. Non. J'ai pas de cheveux, d'ailleurs. Non, pas de cheveux. Non. Pas de prestance. Ça m'arrive, mais enfin, j'en ai pas beaucoup. Comment expliquez-vous votre interminable carrière d'acteur? Mais vous savez, une carrière d'acteur, c'est très simple. Un de mes glorieux aînés a dit un jour qu'on faisait du cinéma parce qu'il n'y avait personne. C'est pas pour autre chose. Il n'y a personne qui sache faire du cinéma. Alors, fatalement, on est obligé de prendre des gens qui se trouvent par la suite de devenir des acteurs. Mais la formule, c'est qu'on fait du cinéma parce qu'il n'y a personne. Et on prend des gens qu'on rencontre dans le studio. Des gens qui traînent, quelquefois dans des cours d'art dramatique, quelquefois au conservatoire, quelquefois dans les théâtres, mais on les prend comme ça. Oui, car je me suis laissé dire, en dépit des apparences, que vous aviez fait le conservatoire. J'ai fait le conservatoire, oui. Vous êtes sorti à quel rang? J'ai été foutu à la porte. Ça ne m'étonne pas. Oui, mais ça vous a rendu des services. Et alors, comment expliquez-vous, étant donné votre manque évident de capacité, que les metteurs en scène ne puissent absolument pas se passer de vous? Ben ça, c'est parce que les metteurs en scène, d'abord, n'ont pas d'imagination, et qu'ensuite, l'expérience m'a démontré qu'ils avaient besoin de, finalement, ce qu'on appelait des acteurs. Parce que quand on voit ce que les auteurs et les metteurs en scène peuvent commettre comme dialogue, comme histoire, comme ânerie, il faut bien qu'il y ait des spécialistes pour les faire passer. D'après vous, on vole les mots aux acteurs? Ah oui. Ah oui, je connais énormément de dialoguistes et d'auteurs. Pas de nom. Pas de nom, oui, mais enfin, tout le monde n'a qu'à suivre mon regard bien franc. Et je connais donc beaucoup de dialoguistes qui volent des sujets et des histoires et surtout des mots aux acteurs. Vous avez fait combien de films? Aucune idée. Aucune idée, autour de 120, 130. Ça dépend de mon humeur. Il y a 60 ans que vous tournez. Beaucoup plus. J'ai tourné avant Méliès. Et vous pensez que cette escroquerie va se prolonger indéfiniment? Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Quand on a un job qui est un racket, soyons francs. Oui, oui. Comme disait Humphrey Bogart, c'est le seul racket qui soit valable, qui ne soit pas puni. Et pourquoi voulez-vous que ça s'arrête? Aucune raison. Maintenant, les gens ne peuvent plus se passer de moi. Donc, on vous reverra. Oh oui. Oh oui. Dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Donc, on va se retrouver. Dans un film de Michel Audiard. Là, ouais. Voilà.